Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avantage qui administration ça a gagné, deuxième administration tête calée ça. C'est sous démocrate tête calée qui arrive sous pouvoir. Elle dit que le monde qui a administration tête calée, et il connaît tout acteur clé dans le parti démocrate là. Donc c'est mon bail nouveau pour eux, il connaît qui vient pour eux positionner. Mais bagaille qui est plus important pour nous, au-delà de l'administration, il faut que nous fassions différence en polypartisan, avec du côté de nous parler à quoi eux, et politique d'intérêt national. Pour moi-même, culture ça, son bail qui peut exister dans le pays d'Haïti, son culture pour nous battre. Bon, c'est des bagailles qui représentent l'intérêt national, nous tous. Par exemple, développement économique représente l'intérêt national, nous tous. Pour nous arriver à jouer un développement économique, ça qui n'a pas cherché à pour un développement des infrastructures. Pas qu'à un développement économique sans infrastructure. Infrastructure, je l'ai dit, et pont, route, port, aéroport, barrage, électricité, câble optique pour internet, tout bagaille ça représente infrastructure. Donc si gagne un bagaille, un dossier qui est important pour nous, sérieusement aux États-Unis, c'est le dossier des infrastructures qui vient fait bagaille ça, sommes nous là-dedans. Donc, dans le dossier ça, pas ça doit être une différence entre aucun acteur politique, économique et social dans le pays d'Haïti. Parce que, qu'on soit acteur politique, qu'on soit acteur économique, qu'on soit acteur social, bagaille ça incontournable pour nous si nous voulons un développement économique pour que tout peuple nous bien mène. Donc, ça veut dire que si nous battons consensus ça sur les infrastructures, ensemble, nous tous, secteur privé, secteur social, secteur politique, secteur économique, nous qu'a fait des marches Washington à deux niveaux. Au niveau bilatéral, pour que l'aide américaine, non. Au lieu de faire comme si l'aide humanitaire qui est liée, il plutôt tourner en aide au développement. C'est-à-dire que si pas bien une forme de racisme systémique dans la politique américaine par rapport à Haïti, pour gens qui ont traité Saint-Domingue et pour gens qui ont traité non, nous devons faire des marches ça, sous besoin de développement réel, nous qui sommes capables pour lui. En même temps, tout, pendant qu'on appelle ça au niveau bilatéral, étant donné que le poids américain est important en pile dans l'institution, par exemple, plus de Nations Unies, recommandé à cause de dégâts que le coronavirus a fait dans le monde là, pour annuler 3 trillions de dollars américains de service de la dette au niveau du Fonds monétaire international. Nous devons demander à l'administration Biden de faire promotion ça pour nous, pour retirer de ça. Et nous-mêmes, dans le cas par nous, lors des budgets nationaux, là, le service de la dette représente 79 milliards de gouttes. Nous devons demander d'annuler pour nous. Au niveau Banque mondiale et Banque interaméricaine de développement, qui ça au cas par nous comme paquet, besoin nous c'est 6 milliards pour les infrastructures, nous pas besoin de 6 milliards. Est-ce que au cas par nous à peu près entre 2,5 et 3 milliards de dollars pour la construction de nos infrastructures. Nous besoin un câble qui permette que 600 sections communales aient un bon genre internet. Pour que l'organe téléphone, on va essayer de download, on va pas prendre une net dans des états. Et puis, on va pas download. Minute ou fin de manger, on va pas download sur pour manger. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, en matière de construction de barrages, continuer progrès qu'a fait dans l'électricité, route avec pont, aéroport avec port. Pas qu'à un développement économique sans eux-mêmes. Donc, c'est peut-être ça que nous-mêmes au niveau national, malgré différences politiques, nous, et qui ça nous a fait et pour nous justement arriver et joindre à notre chercher en matière de développement économique. Donc nous-mêmes, pendant que nous avons fait ça au niveau national, là, nous finissons par bâtir consensus sur l'intérêt national, qui j'en pour approcher américain au niveau bilatéral et multilatéral, comment nous avons bâtir consensus ça avec à peu près 36 élus, 38 élus haïtiano-américains que nous gagnons ici aux États-Unis, dans différents États, pour que nous-mêmes qui en Haïti, et élu haïtien américain dans la diaspora, nous avons gagné influence au niveau administration Biden. Dans pile possibilité, c'est sénateur Kuhn, Christopher Kuhn de Delaware, gagne en pile gros possibilité, c'est lui-même qui vient secrétaire d'État. Dans pile possibilité tout que ancien chef cabinet Obama, Dennis McDonough, c'est lui qui vient National Security Advisor, conseiller à la sécurité nationale. Faut pas oublier que conseiller à la sécurité nationale là, c'est lui qui joue le rôle coordination toute activité gouvernement américain. Je le sais en anglais NSC, Conseil national de sécurité. Donc c'est là toute décision finale que le président bail pour Jean Bagayo fait, quel que soit dans le domaine, c'est dans NSC qu'il fait. Donc, ce sont les qui connaissent Haïti bien
Denis McDonald, on est moi-même personnellement, je démène la Haïti deux fois, et pour ça, monsieur Tap travaille pour congressmen qui est responsable de droits humains pour démocratie, en dans le congrès américain, monsieur Téré, le congressmen Lantos. Donc, monsieur, il y a une possibilité, c'est ancien chef cabinet Obama et Denis McDonald qui vient conseiller à la sécurité, son équipe qu'on a Haïti bien, de descendre deux, trois fois, monsieur, en Haïti. Et blanc, à l'époque, qui était staff dans le congrès, tout petit blanc, ça y est, aujourd'hui, il y a un gros chef qui est. Soit dans le parti démocrate, soit dans le parti républicain aux États-Unis. Mission et attribution pour ce qui concerne la gestion des déchets solides. Okay? Le ministère de l'Environnement lui-même, il est là en matière de réglementation, en matière de normes et en matière de prescriptions techniques. Côté que l'a appuyé, municipalité, okay, en matière de gestion des déchets, l'homme dit gestion des déchets, que ce soit la collecte, que ce soit le transport, que ce soit l'élimination finale, ministère de l'Environnement, dans toute étape procédure, ça, dans toute étape marche à suivre ça. C'est ainsi que, par exemple, ministère de l'Environnement, nous gagnons un projet avec mairie de Wanamet, nous gagnons un projet avec mairie de Jérémy et incluant Mirbalet. Côté que c'est un projet qui visait à renforcer municipalité Sayo en matière de gestion des déchets, côté que ministère de l'Environnement avec appui programme des Nations Unies pour l'environnement, qui c'est le PNUD, okay, nous appuyer mairie Sayo, que ce soit en matériel lourd pour ramasser des déchets, pour faire transport à tout, et aussi avec des matériels légers, côté que vous pouvez faire nettoyage au niveau de la rue, vous êtes capable d'assainir zone et à partir de matériel léger Sayo. C'est comme ça que le ministère de l'Environnement mettait à disposition deux municipalités, à savoir Wanamet et Jérémy, des animateurs, okay, pour qu'ils soient capables de faire formation, pour faire sensibilisation et pour conseiller mairie autour en matière de gestion des déchets. Fondi Jodia, ça qui réunit nous précisément Jodia. Le ministère de l'Environnement, avec CASDA, a lancé une série de 5 ateliers sous différentes thématiques qui ont à voir avec la gestion des déchets. Que ce soit des déchets municipaux, c'est-à-dire déchets que les municipalités ont gagnés sous responsabilité, que ce soit déchets industriels, que ce soit déchets qui ont à voir avec matière organique, côté que le ministère de l'Environnement l'a appuyé Mério à travers 5 ateliers SAO pour travailler avec eux sous législation, sous normes, sous règlements pour axer bagala autour de ça que nous relayons intercommunalité. Intercommunalité, c'est mettre municipalité ça ensemble. C'est mettre mairie ça ensemble pour que l'un capable de venir en appui à l'autre, à n'importe quelle urgence qui gagne. Okay? Côté que ce soit en termes de matériel lourd, que ce soit en termes d'appui conseil, okay? Il y a un pile mairie qui a un pile expertise dans ça, nous capables de profiter de l'expérience. Mais ça pour nous répliquer au l'autre, ok, pour nous capables chercher solution ensemble. Et l'autre l'autre face encore qui est très important, c'est que implication communauté locale, est très important tout côté que n'a pas assuré non que facilitation en termes de sensibilisation, bagage ça au fait implication communauté locale au fait. Maintenant, 5 ateliers ça, on m'a invité ministre Thomas Jacques qui est capable de donner plus d'informations sur l'atelier SAO que nous lançons par terre. Je dis un premier atelier, à son atelier côté Nabalgadé et contribution sur les institutions de travaux publics. Les balais de travaux publics, nous avons MDPTC, nous avons DINEPA, nous avons EDH, SNGRS. Nous avons SNGRS. Nabalgadé, comment institution SAO sont capables de mieux impliquer dans résoudre les problématiques FATRA, déchets dans la zone métropolitaine. Et deuxièmement, garder qui mécanisme que nous sommes capables de mettre en place pour permettre que nous financer, mieux financer la gestion des déchets. Deuxième atelier, son atelier qui est prévu pour thème gestion des déchets ensemble avec la collectivité territoriale. Comment mairie en interaction avec SNGRS, en interaction avec MDE, et mieux capable de mieux résoudre le problème FATRA. Et troisième atelier, son atelier sur les déchets industriels. On va regarder son appui. Toute entreprise
qui fait production sur les dans zone métropolitaine, comment yo même yo ka mieux impliqué, parce que yo c'est pollueur à la fois, mais en même temps tout comment yo ka mieux impliqué dans résoudre problème Fatra. Et puis quatrième atelier, son atelier sous déchets médicaux avec le ministère de santé publique, nous allons regarder comment mieux traiter problème déchets médicaux. Et dernier atelier, son atelier sous mécanisme de financement, parce que jusqu'à présent et on a dit fort pourcentage et fonds qui a lié à louer à question gestion Fatra il sorti dans le budget national. Maintenant, qui l'autre mécanisme que nous avons mis en place pour collecter plus de fonds pour permettre que nous capables mieux résoudre le problème de gestion Fatra? Ça c'est deuxièmement, qui mécanisme que nous avons mis en place pour permettre que des entreprises qui intéressées dans recycler, dans valoriser Fatra, et yon venez des facilités qui vous permettent que vous investissez dans la question ça. Donc c'est toute problématique qui va adresser dans 5 ateliers. Nous espérons à la fin de 5 ateliers, nous allons permettre de jouer nos consensus pour que effectivement un fonds intercommunal entre communes qui créent. Et puis deuxièmement, nous regardons comment, au niveau de résultats toujours, comment la population est capable de développer des stratégies pour mieux impliquer dans résoudre le problème Fatra. Là, nous avons l'ensemble des mairies de la zone métropolitaine, ça veut dire commune de Port-au-Prince, commune Tabar, commune Cité Soleil, commune Delma, commune Carrefour, commune Pétionville, commune Quinscoff et commune Gressier. Nous parlons de zone métropolitaine. Zone métropolitaine, nous avons un gros 9 communes là-dedans. D'accord? Donc nous avons fait réflexion ça autour de zone métropolitaine. Et réflexion ça va permettre que nous joignons nous joignons développer des stratégies pour nous développer au niveau national. Là où gagne SNGRS, Service National Gestion des Risques Solides, où gagne MDPTC, Ministère Travaux Publics, où gagne Ministère de l'Intérieur, où gagne EDH, et puis où gagne DINEPA. Atelier Sarodia là, n'a pas comment entreprise de travaux publics. Yo même yo ka mieux contribuer pour résoudre le problème Fatra. Ça c'est mon premier attente. Qui ça par rapport à ça au qu'on fait déjà par rapport à Ndagadi force et faiblesse qui gagne dans stratégie qui existait déjà, mais comment nous allons améliorer stratégie ça. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter dernières informations. En tout cas tout le monde merci parce que nous t'es branché, pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.